Les services publics parisiens, tout le monde est ici présent pour les déroulements de carrière, madame la maire. La liste des revendications est très longue. On a aujourd'hui, on fait un focus sur les ratios promus promouvables, alors qu'on est bloqué depuis de nombreuses années. Le point d'indice est bloqué, les promotions sont bloquées, et comme tu l'as dit, on affiche des grands principes de gauche sur le parvis de l'hôtel de ville à chaque occasion. Libérer Florence Cassé, liberté dans le monde entier. Mais il faut voir la cuisine interne à la mairie de Paris, ça sent pas vraiment bon. Ouais, ben, je m'appelle Christian Garnier, je suis conducteur à la mairie de Paris. Tout permis et nous on fait grève, on a fait grève lundi, les conducteurs, les éboueurs, les fossoyeurs et les égoutiers. Les conducteurs, on n'en a pas parlé à la télévision. On a eu 100% de grévistes du lundi en conducteur, pratiquement 100%. Et 80% tous les garages de la mairie de Paris. Et on nous bafoue, on nous roule dans la farine et on nous fait régresser de plus en plus. Et donc on est vraiment déçus que notre mairie de gauche applique surtout une politique de droite. On est tous mobilisés, les syndicats, parce qu'aujourd'hui on constate qu'avec le blocage de l'indice, les salaires n'augmentent pas, baissent, alors que l'ensemble de la vie, les contraintes augmentent. C'est parce qu'en fait, il y a une négociation qui fait que, on appelle ça un ratio, va être décidé par le Conseil de Paris en décembre. Les gens sont tous réunis, il y a 7 syndicats qui sont sur la place, là. Le ratio promouvable, c'est l'évolution de carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui passe 50 ans ne pourra jamais accéder à son grade optimum. Donc il sera toujours à un grade moyen. Ça permet à la mairie de faire des économies et les gens qui ont 40 ans d'ancienneté n'accéderont jamais à des... à l'indice le maximum. Ils resteront toujours au moyen. Avant, ça s'appelait l'ancienneté. Donc Sarkozy a cassé l'ancienneté pour appeler ça le mérite. Mais mérite, c'est pas du mérite, c'est à la gueule du client, c'est du clientélisme. Les services publics parisiens, tout le monde est ici présent pour les déroulements de carrière, madame la maire. Oui, les déroulements de carrière. Oui, les feuilles de paye. Et l'arrêt, sans arrêt, de l'austérité, de la diminution des salaires, par le blocage du point d'indice, par les politiques d'austérité et les futurs plans de Paris Métropole qui ne vont aller que dans ce sens, le plan d'économie à la mairie de Paris, qui fait qu'effectivement nos salaires sont bloqués, les déroulements de carrière de plus en plus impossibles, avec le passage au choix de plus en plus priorisé, comme dans le privé, 100%.